majoritairement représentée à hauteur de 65% de la population. De par cette représentativité, nous incarnons l'avenir et l'espoir de ce pays. Jeunesse de l'UNI, l'heure est à la prise de conscience et à la responsabilisation de tous pour les lendemains meilleurs pour notre cher pays, le Gabon. Il n'est plus question que nous, jeunes, soyons en marge des grandes décisions de ce pays. Nous devons faire entendre notre voix sur le plan socio-culturel, économique et politique, non pour se contenter de la critique, mais pour être une force de proposition. Cependant, nous pouvons comprendre le désintéressement des jeunes à la vie politique, parfois dû à l'ambivalence de certains hommes politiques d'une part, et d'une certaine jeunesse instrumentalisée, se laissant corrompre et distraire. Les gars, 7000 francs, un t-shirt, c'est fini. Prenons conscience, engageons-nous. Il est temps que chacun de nous donne le meilleur de lui-même. Et à l'Union nationale initiale, nous l'avons compris. Jeunes, ne nous résignons pas. L'heure n'est pas à la distraction. La jeunesse représente le pilier de notre pays. Elle doit donc voir en chaque opportunité qui se présente comme étant un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement, disait un juriste africain. Ne baissons pas les bras, chers frères. Engageons-nous, car nous sommes le Gabon d'aujourd'hui et nous serons le Gabon de demain. La femme de l'Union nationale initiale note avec intérêt le courage politique, la détermination dont vous avez fait preuve pour la concrétisation de la création de l'Union nationale initiale. À cela, la femme de l'UNI, plus que déterminée, par ma voix, tient à vous exprimer ce jour, samedi 21 janvier 2023, son attachement indéfectible et s'engage résolument avec vous dans ce combat. Quel c'est exaltant. C'est pourquoi la présente rentrée politique, qui marque le lancement des activités de l'UNI, est à mettre sous le signe de la mobilisation et du rassemblement. La femme, socle d'une nation, matrice de référence, ne ménagera aucun effort afin de favoriser une meilleure intégration de ses pairs dans le développement des actions politiques, économiques, sociales et culturelles de notre cher pays. Suite à la scission intervenue au sein de l'Union nationale, les élus locaux ont sollicité M. Paul-Marie Ngondjou pour qu'il prenne la tête de la nouvelle formation politique qui en découlait. C'est ainsi qu'autour de ce dernier, un directoire a été composé en vue de donner forme à l'existence de ce nouveau parti dont les instances, conformément au statut, se définissent comme suit. Le président, les vice-présidents, le bureau national, le secrétariat exécutif, les commissaires nationaux, la délégation nationale de la femme et de la famille et ses démembrements, la délégation nationale de la jeunesse et ses démembrements, la commission technique permanente pour la révision des textes, la commission technique permanente préparatoire aux élections, la commission discipline, mérite et justice,
le Conseil national, les comités provinciaux, les bureaux des représentants provinciaux, les coordinations communales d'arrondissement et de quartier, les coordinations départementales, cantonales et de village. Je voudrais saluer ici les efforts fournis par le directoire dans l'organisation de ces instances du parti en très peu de temps. Dans sa structuration, le parti a procédé à l'établissement d'un état des lieux permettant de faire le point sur la situation des organes de base et des élus locaux inhérents à la scission, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Sur la base de cet état des lieux, le parti s'attelle au renforcement des organes de base tout en consolidant l'architecture de son appareil politique dont la mise en exploitation attendait le quitus du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, ces choses faites et nous nous mettons à pied d'œuvre pour le lancement de nos activités qui commencent par la présente cérémonie. C'est vrai qu'à quelques mois seulement des élections, cela constitue un véritable défi qu'il faut relever avec abnégation. Mais nous restons confiants et espérons apporter notre contribution à la dynamique de l'ensemble de l'opposition pour l'alternance démocratique. Permettez-moi de débuter mon propos par des remerciements. Je pense que le moment le recommande. Les membres du directoire de l'UNI ne peuvent y déroger. Ainsi, remercions-nous fortement l'ensemble de nos militantes et militants, l'ensemble de nos sympathisantes et sympathisants. Ils ont été patients. Oui, nos militants ont été patients. Ils ont été patients et ils ont cru en notre projet, alors qu'ils étaient l'objet de sarcasmes et autres quolibets pour les décourager de leurs convictions. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous remercions aussi nos amis, et ils sont nombreux. Ils nous ont abondamment encouragés et nous ont aidés chaque jour dans notre marche parce qu'ils croient en nous et ont soif d'un renouveau dans notre pays, le Gabon. Mesdames et messieurs, l'Union nationale initiale s'inscrit dans la lignée des pères fondateurs de la République, ceux qui ont œuvré avec les difficultés de leur temps à bâtir un pays à l'essence gabonaise, un pays à l'esprit gabonais, dans la recherche permanente d'un rassemblement. Ils ont pavé le chemin que nous aurions dû tous prendre, mais nous nous en sommes malheureusement souvent écartés, pour le plus grand mal du Gabon. C'est dans cet esprit de la concorde que nous avons tous entonné à l'entame de cette cérémonie que nous avons décidé que l'UNI soit un grand parti de rassemblement des Gabonais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et du Centre. Mais qui sommes-nous ? L'UNI adopte le progressisme réformiste comme modèle politique de gouvernance. Nous sommes donc un parti progressiste réformiste. Pour nous, le progressisme met l'homme, l'être social, au centre de tout. Il magnifie la solidarité, le sens de la solidarité, qui fait appel à l'effort commun et à la responsabilité collective de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux qui sont au service de l'intérêt général plutôt qu'à la satisfaction de leurs seuls intérêts personnels. Nous sommes progressistes pour lutter contre les antivaleurs de l'enrichissement illicite.
de la prédation des richesses nationales, de la corruption, du non-respect du bien public, etc. Nous sommes progressistes parce que nous croyons que les valeurs et les idées véhiculées par le progressisme sont une voie adaptée aux exigences de développement de notre pays et qu'ils s'ajustent à nos valeurs culturelles de partage, de justice, de solidarité et d'effort collectif. Nous sommes patriotes et progressistes parce que le Gabon est notre centre d'intérêt au-dessus de tous nos intérêts personnels. Nous sommes patriotes progressistes parce que nous faisons le constat malheureux que la société gabonaise s'est érigée en un système structurellement inégalitaire, se traduisant par un accès inégal aux éléments fondamentaux de la vie et du progrès que sont l'école, la santé, le travail, l'habitat, la sécurité sociale et bien d'autres éléments. Ce système inégalitaire qui a pour corollaire l'argent, fracture dangereusement la société. Notre responsabilité collective, pensons-nous, est de corriger ces désordres sociaux pour éviter à notre pays le chaos. Mesdames et messieurs, les valeurs progressistes que nous prônons ne peuvent s'accommoder de la déstructuration de notre tissu social, de la perte d'un certain nombre de valeurs sociétales et culturelles. Elles s'opposent fondamentalement aux inégalités dans l'aménagement du territoire qui sont un réel frein au développement, comme le sont aussi la faiblesse de la gouvernance et l'absence d'une planification budgétaire judicieuse ne permettant pas une juste répartition de la richesse nationale pour la promotion d'un développement économique et social harmonieux. Pourquoi et comment sommes-nous parvenus à faire reculer aussi rapidement un pays parmi les plus admirés d'Afrique il y a encore 20 ans? L'usure du pouvoir. Oui, l'usure du pouvoir du pouvoir Bongo PDG est le principal facteur de cette situation. Depuis 1990, en effet, et en dépit du retour au multipartisme, nous observons tous l'accaparement de tous les rouages institutionnels et politiques et administratifs par un seul et même parti politique. Celui-ci n'a jamais accepté l'expression d'autres choix politiques que les siens et ne s'est malheureusement jamais remis en cause. C'est la sclérose et les mauvaises pratiques de ce pouvoir exclusif qui ont corrompu l'administration en la caporalisant pour la placer au service de la conservation du pouvoir. Vous avez dû vous en rendre compte. L'hégémonie planifiée, organisée et arrogante du Parti démocratique gabonais ne représente en rien le rapport de force politique dans l'opinion. Cette suprématie du PDG désorganise les équilibres politiques propices à une bonne organisation de l'État, une implication de tous dans l'effort collectif et national. J'insiste pour dire que cette emprise du PDG sur le pays se fait au détriment de celui-ci et du bien-être des populations. Nous devons à la vérité de dire que le PDG ne peut légitimement penser que lui seul peut gérer l'État. Ses échecs constants depuis plusieurs décennies, de même que l'état de dégradation du Gabon, en sont la preuve. En tant que parti
politiques au pouvoir dirigeant le pays, il est naturellement comptable et responsable de la détérioration des infrastructures du pays, des mauvais choix économiques et du climat social morose qui nous est imposé. Il doit humblement assumer cette responsabilité pour pouvoir se remettre en cause. Sa position dominante, obtenue sur l'échiquier politique, est le résultat d'un système de gouvernance tronqué, lui conférant abusivement l'exercice de tous les pouvoirs institutionnels et de l'administration publique, devenant ainsi un instrument de contrôle des élites et obligeant parfois nombre d'entre elles à intégrer le PDG pour soit garder un poste, soit en obtenir un meilleur, soit simplement en obtenir un. Mes chers compatriotes, comprenons-le tous et convenons-en. Tout ça doit évidemment changer. Mais comme il doit être aussi compris de tous que ce changement que nous espérons ne doit pas être celui d'un Gabon contre un autre. Il doit plutôt être celui d'un Gabon où chacun devrait trouver une place et celui où chacun devrait se sentir impliqué et concerné par sa marche. Le contraire que nous vivons déjà est un recul dangereux qui n'est plus envisageable. Si nous devons changer, et c'est nécessaire, la situation que j'évoque plus haut pose le problème de l'adaptation de notre système politique aux défis de l'heure et aux articulations de notre société. Il est donc arrivé le temps. Il est donc arrivé le temps où nos esprits doivent évoluer pour ouvrir à nouveau le jeu démocratique, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul et même parti qui ait les commandes de tous les rouages institutionnels de l'État pour mieux considérer et respecter la volonté des citoyens. Le temps est là. Il est arrivé pour nous dire qu'une réforme constitutionnelle est aujourd'hui nécessaire pour faire entrer le Gabon dans l'ère de la modernité démocratique.